Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GameKing et on se retrouve aujourd'hui pour Totally Accurate Battle Simulator et les gens parce que aujourd'hui on se retrouve pas pour Totally Accurate Battle Simulator, on se trouve pour des nouvelles unités sur Totally Accurate Battle Simulator. Donc on espère que ça vous plaît. Voilà, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, à s'abonner à notre chaîne. Et à dire que mon t-shirt est trop coloré. Oui, et que mais il vient de Disney, Californie, voilà, il peut être coloré. Il vient des États-Unis donc j'ai le droit. Et donc, pourquoi Guillaume a dit qu'il y avait des nouvelles unités alors qu'il n'y a pas eu de mise à jour? Parce que c'est du mod. Donc voilà, tout simplement du mod. Vous connaissez pour ceux qui jouent sur PC, alors que ça n'existe pas du tout chez console. Alors, peut-être sur certaines consoles, je suis pas spécialiste, mais ça existait vraiment sur PC. Oui. Par exemple, dans GTA, vous avez des mods avec des voitures tunées de la mort, avec des néons qui volent, etc. Retour au futur, si vous voulez. Il y a des mods sur... Surtout, il y a même des mods sur les jeux Nintendo qui sont émulés sur, sur console. Comme par exemple Super Mario 64 à 2, c'était un mod parce que c'était créé par des fans et non pas par les créateurs du jeu. Voilà. Et bah là en fait, c'est un gros mod et il y a plein de mods qui tournent en ce moment sur Tabs. Alors les youtubeurs américains en parlent énormément et en fait, je me suis dit, vraiment, faut qu'on en parle parce et que comme il n'y a pas de mise à jour. Il y a eu aussi pas mal de commentaires en disant est-ce que vous pouvez utiliser des mods? Bah voilà. Donc c'était l'occasion. Et comme vous avez vu sur miniature, aujourd'hui on va parler d'une unité qui est en mode et qui est très utilisée dans les mods de Tabs. C'est les zombies. Les zombies, parce que c'est pas simplement des unités. C'est au-delà de ça, c'est un principe de jeu qui est énorme. Et donc on était obligé de faire une vidéo sur les zombies dans Total Accurate Battle Simulator. Si ça vous plaît, faut pas hésiter à dire en commentaire si vous aussi vous utilisez des mods. Et aussi à mettre un pouce bleu comme a dit Kim. Et à demander des combats que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. À proposer des combats. Avec certaines unités de mods. Alors on peut vous montrer, déjà on est sur la map. Les maps n'ont pas changé, hein. Y a pas de, les unités sont les mêmes. Il y a deux nouvelles choses qui sont arrivées. Il y a les unités pas utilisées, donc c'est celles-ci, elles sont cassées. C'est-à-dire que par exemple, on peut utiliser... Le serpent. Le serpent. Voilà, juste le serpent. Ah si, elle marche, d'accord, ok. Donc le serpent, contre le serpent. Ah non, ça marche pas, ça rampe. Et est-ce qu'on peut les contrôler? Ah, on peut même les contrôler, tu vois. Ouais. Je suis le serpent contre un serpent. Voilà. Alors un match serpent contre serpent, ça donne quoi? Bah voilà, ça donne rien du tout parce que je sais pas combien ils ont de vie. On se tape pas. Dire, tu te tapes pas avec lui. Ouais. Ah oui, mais il dit broken. Ah, ah si, il est mort. Bon, t'es mort. Ah oui, mais tu vois, c'est cassé, ça finit pas le jeu. Ah oui, d'accord. Et tu vois, je suis mort et je continue à jouer. Ok. Donc c'est ce qu'il disait. Broken. Broken. Donc ça va, c'est ce qui est pas utilisé. Donc il y a des trucs quand même sympathiques dedans. Par exemple, celui qui dirige la catapulte en mode. Minuscule. Minuscule, je sais pas pourquoi il est minuscule. Il y a Rikiki là. Celui qui dirige la catapulte. On a aussi celui qui dirige la baliste, mais tout seul, sans la baliste. On a aussi celui qui dirige le canon. Alors celui-là, il est assez incroyable, mais il bug hein, aussi. Mais regardez. Alors, peut-être... Le canon ? Ouais. Mais il est pas ? Bah, les pirates. Ah. Donc c'est quelque chose qui était dans les fichiers du jeu, et je pense qu'ils ont réussi à récupérer. Ah si, il se tape. Est-ce que ça finit quand même le match ? Est-ce que c'est une idée qu'on va pouvoir tester ? Bah, il l'écrase. Ah oui, ah ouais, donc là, ça fonctionne. Ça finit. Ok, donc non, c'est pas forcément cassé. Il y a peut-être juste des imperfections. On a Dame ainsi. Donc Léonard. C'est Léonard de Vinci ? Ouais, regarde. Il donne des coups de peinture ? Oh, ça se trouve, il a un tableau ? Ouais, c'est possible. Donc là, elles sont en mode basique. Parce que comme elles sont débloquées dans les fichiers du jeu, on a aussi celui qui dirige la Ocha. La Watcha. Donc ça, c'est stylé. Voilà, tout simplement. Le Snake, on l'a vu. Il y a aussi celui qui dirige le... Les dragons. Le dragon, ceux qui tiennent les dragons. On a aussi... Ah, bah le Wheelbarrow. Ah, celui qui lance des pommes. Ah, c'est pas mal! Ouais, c'est pas mal! On peut faire des combats de lanceurs de pommes! Ouais, ah, donc voilà, vous avez des unités que vous pouvez nous demander. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a aussi celui qui dirige le. Un autre qui dirige le dragon. Ah, celui qui est devant, qui dirige le dragon devant. Donc il est pas au même prix. L'autre Wheelbarrow. Ah, celui qui est assis derrière, celui qui lance les pommes. Viking, donc ceux qui sont dans les. Ah, ça c'est vachement cool parce que ces unités-là, elles sont quand même très 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 puissantes et on peut jamais les utiliser en dehors du bateau. C'est énorme parce que. Oh, une toute petite tête! Du coup, on va pouvoir faire des combats super stylés avec des nouvelles unités. Ouais, j'avoue. Des nouvelles et des anciennes, mais qu'on pouvait pas utiliser indépendamment. Traveler. Le voyageur. Ah, bah, c'est celui qui tient le wheelbarrow. Bah, celui qui dirige les le wheelbarrow de dragon en secret et le wheelbarrow normal. Tranquille. Donc là, c'est celui de Viking. Mais qui est en dessous, qui tient le bateau. Et on a aussi un hoplite. Un hoplite. Et ça, c'est un hoplite différent de ce qu'on a. Ah oui, c'est vrai, je l'avais dit. Je pense que c'est l'hoplite qui devait être à la base dans le jeu. Ouais. Et ceux qui l'ont remplacé par l'hoplite tel qu'on le connaît. Du coup, en fait, il ressemble plus à un romain.
Alors que l'hoplite qu'on a, c'est un hoplite grec. Ouais, je pense, ouais. Tu vois, ouais, c'est ça. Et ça, ouais. Du coup, c'est pas mal parce que ça rajoute des unités encore. Donc, si vous voulez voir, on pourrait faire hoplite contre hoplite. Hein, et savoir quelle est l'unité la plus puissante, du coup. Ouais, j'avoue. Parce qu'il y en a qui a une lance, il y en a qui a une épée, mais c'est tous les deux des hoplites. Donc, notez bien tout ça pour nous proposer des combats pour la prochaine fois. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Et par contre, il y a des unités secrètes qu'on vous montre pas, qu'on verra la prochaine fois. Ah, le corbeau. Ok, donc le corbeau. Oh là, il y en a qui ont disparu. Ah, trop bien, on peut faire spawn le corbeau. Et le Jouster. Ah, donc ça, c'est une nouvelle unité. Oh, c'est celui qui est sur son... C'est un écuyer. Enfin, c'est... Un mec qui sera la sur son cheval. Mais oui, c'est ça. C'est trop bien. C'est génial. Mais c'est une unité secrète, ça caché, je pense, dans le jeu, dans les fichiers du jeu. Ouais, ça se trouve. Ah, c'est énorme. Ah, c'est stylé. Donc, on va pouvoir tester ça aussi. Donc là, on vous a donné de quoi nous créer des beaux combats. Voilà. Alors, vous avez les valeurs en bas à gauche quand je les ai montrées. Donc, 830, donc c'est dans l'ordre. 240, 270, 190, 190 etc., 150, etc. Ça descend, ouais. Et les moins chers, ça va être le petit, là. Mais je sais pas ce qu'il fait, le petit. Je pense qu'il bug. Oui, il bug peut-être un peu, ouais. Il bug grave. Mais ils sont trop mignons. Attends, du coup, un Nightwing, un Hobbit, c'est un plus grand. Ah, du coup, le Hobbit, c'est un géant, tu vois. Regarde. Ah ouais, c'est un géant. C'est la bataille contre les géants. Oh là, boum. Ouais, mais il bug. Ouais, il bug. Est-ce qu'ils arrivent à tuer les Hobbits? Ah, ils sont trop mignons. C'est énorme. Ah, ils sont trop mignons. Tu vois, si je me mets sur le Hobbit, est-ce qu'il prend des dégâts au moins? Vas-y. Donc les différents modes n'arrêtent pas le jeu pour autant, c'est-à-dire qu'on peut continuer à jouer, hein, y a pas de, ça ne fait pas bugger le jeu. Après ça peut faire bugger le jeu. Non, ils font pas de dégâts. Ils font pas de dégâts, ils sont juste là pour décorer et voilà, pour empêcher. Et donc on va partir sur les exotiques. Les exotiques, il y a plein de trucs. Ouais, donc voilà. Là on ne montrera pas. Vous voyez en bas, si vous voulez, les corps possédés, les fléchettes de poison, empoisonnées, les lanceurs de pierres, les zombies. Le duelliste. Le taekwondo slapper. Slapper, peut-être donner une sorte de coup le de pied. Le sorcier ou la sorcière. Le sorcier et le sorcier du temps. C'est les plus chers. Moi, je les ai vus, parce que comme j'étais chargé de mode, je les ai vus. Oui. Mais en tout cas, ça marche. Et ça, c'est des vraies unités qui ont été créées par des fans. Et donc, c'est des grosses unités. Et on ne sait pas ce qu'elles font, par contre. Je les ai vues juste visuellement. Je ne sais pas ce qu'elles font. Et donc, les zombies. Les zombies. Regardez-moi 400. Ça. 400, les zombies. Bien. Ils sont verts. Peu importe le côté où ils sont, ils ont l'air d'être plus clairs du côté bleu. Ah oui, ouais, c'est possible. Et donc c'est les zombies. Donc là vous allez me dire, mais c'est des combattants... Ah, ils sont plus foncés d'un côté que de l'autre. Alors normalement ça devrait pas faire ça. Pourquoi ils ont explosé? T'as pas mis une catapulte ou un truc comme ça? Non. T'as pas mis un autre? T'es sûr? Non. Peut-être qu'ils ont une attaque plus puissante qui change. Ah ouais, ça se trouve, hein. On les connaît pas, hein, on les découvre. Ouais, hein. C'est possible. On sait ce qu'ils font. Non, c'est... Quand ils meurent, ils explosent! Ah! Quand ils meurent, ils explosent! Quand un zombie qui meurt, il explose! C'est logique, les zombies explosent quand ils meurent! Ça dépend dans quel film. Dans certains films, ils explosent! Ah! C'est pas mal! Ah! Ok! Donc les zombies explosent, mais au-delà de ça, le truc qui est vraiment cool... Le truc qui est vraiment cool, les gens... Le truc qui est vraiment cool, faut que je trouve un truc en style. Ça c'est stylé, je pense. Le truc qui est vraiment cool, ouais, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des archers. Je vais vous montrer exactement à quoi servent les zombies. Et là, vous allez comprendre. Et vous allez dire, mais c'est trop stylé! Est-ce que. Parce qu'on est quand même à 400 sur chaque unité. Alors. Ah, t'as pas mis assez. T'en as pas mis assez. Ah non, ils sont morts. Ouais, t'en as pas bien. Donc j'en ai un petit peu plus. Ouais. Hein, moi j'étais en mode. Ils sont quand même forts. Non, ils sont pas quand même très forts. Mais en même temps, ils sont cheatés. Vous allez voir pourquoi. Allez-y. Regardez, vous allez voir ce qui va se passer. Et là, c'est énorme. Allez. Parce que sinon, mon truc tombe à l'eau. Si, ça a marché. Ah, le mammouth est devenu. Le mammouth est devenu. Il est pas mort. C'est ça qui est énorme. C'est qu'il est pas mort. C'est qu'il s'allie aux zombies puisqu'il est devenu un zombie. Voilà. Et là, tout le jeu change, les gens, parce que avec ça, eh bien, on peut capturer des unités ennemies. C'est ça. Moi, c'est ce que j'aurais rêvé d'avoir, un peu à l'image de Age of Empires, avec les prêtres qui convertissent les unités ennemies. Et du coup, ils gagnent. Ils gagnent. Voilà. Ah non, ils ont gagné. Oui. Non. Ah non. Ils ont gagné. Hein? Et pourquoi ils ont gagné? Pourquoi ils ont gagné? Parce que. Même s'il reste que le mammouth, il est quand même avec les rouges. Ah, je pense qu'il reste quand même les unités. Oui, ouais. Donc au niveau de l'algorithme du jeu, ça reste unité ennemie. Ouais. Donc ce qu'il faut faire,
On va peut-être recommencer, on va mettre des unités derrière. Ouais, il faut pas mettre des... Des trucs qui lancent de loin qui arriveront après. On va voir si ça change quelque chose. Ouais, mais t'aurais peut-être pas dû mettre des... en fait, des archers. T'aurais peut-être dû mettre... Donc là, ils l'ont converti. Là, ils l'ont converti, donc ils vont pas attaquer. Donc là, ils vont pas attaquer. Regardez, ils s'attaquent pas entre eux, donc ça, ça marche bien. Tu vois, il y avait plus de zombies. Ah oui, il y avait plus de zombies. Et en fait, le mammouth... Ouais, mais là, le mammouth va taper. Va taper des unités bleues, et du coup, derrière, comme il va en rester... Ah, il attaque pas. Ils ont réussi à faire un truc, en fait, ils marchent surtout. Ils, ils se dirigent vers les unités ennemies. Et les, unités ennemies tapent dessus. Hein. Et donc là, logiquement, voilà, les rouges ont gagné. Mais ils avaient gagné déjà avant les rouges, en oui, fait. Oui, mais parce qu'il restait que ton mammouth, et en fait, ton mammouth était pas comptabilisé comme mais les rouges, rouge. C'était eux. Les rouges, c'est les zombies, en fait. On avait gagné, en fait. Ah ouais. Oui. Ah oui, bah oui. On a gagné. Ah ouais, n'importe quoi. C'est pour ça que le mammouth était encore vivant, donc non, c'est bon. Et en fait, ça marche. Le mammouth s'est transformé en rouge parce que son truc sur le nez, il était rouge. Ah oui, donc ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Attends, on va essayer avec bah par exemple deux autres mammouths. Tu vois, on va se dire. Ah, mais le temps qu'ils arrivent, ils auront le temps. Ah, tu vas voir. Au niveau de sa tronche là. Ta tête. Sa trompe. Allez, transforme-toi. Ah, il est... Non, faut que du coup, je pense que c'est une sorte de poison. Non, mais c'est bien fait, hein. C'est bien modé. C'est quand même vraiment, vraiment bien fait. Ouais, mais donc, là, du coup, t'as pas mis assez. Ou t'as mis les mammouths trop près. Trop près, j'aime bien. Mais un seul mammouth. Voilà, très bien. Voilà. Donc, c'est quand même très très bien fait, les gens. Et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer ça. Mais il y a plus de zombies, parce qu'en fait, les archers tiraient dans le zombie. Il n'y a pas d'archers. Au début. Ah, il y a un zombie qui est mort. Ah oui, il tirait dans le mammouth. Mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. En tout cas, vous avez vu le principe, les gens. Mais plus encore, plus encore, plus, allez, vas-y. Fais péter les zombies. On peut faire World War Z. On peut mettre Brad Pitt en face qui bat tous les zombies. Et qui boit du Pepsi. Et tu vois, du coup, t'as les zombies qui franchissent Allez, allez, les petits. Il y en a plein qui meurent. C'est bizarre, ils explosent. Ah, voilà. Donc là, ce qui se passe... Et tu vois, il est devenu rouge au niveau de Ah oui, il devient rouge. Donc non, en fait, ça marche vraiment bien au niveau... Ouais, ça marche vraiment bien. Le mode est très très bon. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas capté... Il change le programme derrière et tout, et c'est assez énorme. Donc là, ça va être un mammouth zombie versus un mammouth. Voilà. Et est-ce qu'il récupère toute sa vie? Donc ça, on va essayer de voir en mode première personne après, pour voir si l'unité possédée, est-ce qu'elle a moitié de sa vie, ou est-ce qu'elle a toute sa vie de base? Ah, ouais, c'est vrai, bonne question. Par contre, tu vois, ils s'attaquent bizarrement, j'ai l'impression. Ou alors, ils sont bloqués. Je pense que là, ils sont kéblo. Ah non, il perd la vie. Non! Ah, en fait, ils sont kéblo. Ouais. Ah, la victoire des bleus. Bah, donc le zombie est mort. La victoire des bleus! Par contre, on va refaire encore une fois, on va vérifier si le mammouth. Donc, on va prendre le mammouth. Non. Attends. Vas-y, vise, appuie sur F. Voilà. Ah, donc si, il perd toute sa vie. Il perd toute sa vie. Et est-ce qu'il régène toute sa vie après? Le problème, c'est que t'as tué tous les zombies là. Mais pourquoi ils sont tous morts? Bon, on va y arriver, hein. Voilà, et là bouge plus. Donc ça va aller vite là. Il me pousse. Les tue pas. Comme c'est clair. Vite. Ok, donc là il est devenu rouge, donc ça m'a sorti du truc. En fait, ça m'a sorti. Ouais. Vas-y, reste appuyé sur F. Ah non. Tu récupères toute ta vie. Ça redevient une vraie unité en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez énorme. Donc vous imaginez ça avec les rois, avec les prêtres, avec les cheerleaders, on va tester avec plein de balistes, on va tester sur plein d'unités. Allez, défends les zombies. Allez, en fait, je suis Keblo, il marche dessus. Regarde, il marche dessus. Et du coup, attends, vas-y, on prend l'autre. Ah oui. Bah voilà, la victoire pour les zombies. Les zombies ont triomphé. Du coup, c'est assez énorme. Alors. Moi, je pense qu'il y a un combat que vous avez demandé. On va pas le faire aujourd'hui parce que vous allez le demander. Combien de zombies pour capturer un géant des... Ah, j'ai envie de savoir. Eh ben, on ne saura pas aujourd'hui. Attends, il y a tellement d'unités à tester déjà. On va tester à peu près avec toutes les unités tranquillement pour voir, par exemple, un zombie contre un tribal. Un tribal. Voilà. Par exemple. Est-ce qu'il a assez de temps pour. Bah, est-ce qu'il meurt ou est-ce que le zombie. Ah ouais. Ah mince, il y a le mammouth. Attends, il le convertit direct en un coup. Mais c'est un peu abusé, non? Attends, si j'en mets du coup, on va mettre à armes égales. Donc à 400-400. Vas-y, à 400-420. Aide-moi! Oh, non. Faudra que tu les dissémines un peu partout. Ouais, donc. Comme 1, ça, il en capture un et tout. Ça va faire épidémie. Donc le premier, faudrait faire une sorte d'épidémie, ouais. Donc le premier, faut qu'il capture. Allez, capture Luc! Voilà! Oui! Donc 1, par contre, il perd sa massue.
Il va se relever, relève-toi. Oh, il a capturé un deuxième. Allez, 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 allez. Oh, il a capturé un troisième, quatrième. Mais trop fort. Ah, il y en a un qui est mort. Le zombie est mort. Non, le vrai zombie est mort. Ouais, c'est mais le du seul coup, qui il a tué explose. Tout le monde. Par contre, ah, il fuit. Bah, c'est normal, c'est des zombies, hein. Ouais. Oh, le petit coup dans le dos. Et ouais. Et donc, les rouges ont gagné. Bien joué, les rouges et ont gagné. Et non pas les bleus. Oui. Même s'il reste que des unités qui étaient bleues à la base oui. et qui sont devenues rouges. C'est ça, donc c'est bien. Donc ça bien fonctionne fait. Très très bien et c'est assez énorme. Ah, mais c'est avec vraiment très cool. Bon, on va tester ça avec un peu avec tout. Hein. À peu près toujours. Donc là, 400-400. Là, ça va peut-être par contre, un je les ai mis. Ouais, parce qu'il y a le bouclier. Ouais. Ah, voilà, il y a le bouclier. Donc faut que je les mette plus loin. Donc l'unité n'est pas non plus tankée à mort en même temps. Ça serait, stop. Ça serait un peu abusé. S'imaginons que le zombie avait à mort bah, en oui, plus. Bah, oui. Donc c'est quand même assez réaliste je trouve parce que du coup ils ont pas... Ah, il est passé à travers le bouclier, attention. Non. Allez. Oh oui, oh, c'est bien. Bon. Par contre il s'est fait one shot le premier. Oh bien, sur le côté. Oh non. Ouais, mais il en reste plus qu'un, il en reste plus qu'un. Non, non. Pourquoi il explose pas? Je sais pas, ça explose pas tout le temps. Tap, zombie, t'es le dernier. Ah non, t'es pas le dernier. Il y en a deux contre un. Ah, c'est bon. Les zombies ont contaminé, donc il suffit d'un seul zombie pour ouais. contaminer une armée quand même. Ouais, ouais, faut juste ah, c'est bien les dissimuler. Bon, là pour le coup, je pense que bah, si on en met que, pour 400. Il va le tuer direct. Ouais, bah ça c'était un peu de la chance. Hein. Ah, ils ont plus de vie. Ah oui. Ah, il est porte à moitié. Mais pourquoi il explose là? Ah, des fois il les tue en fait. Des fois il fait des attaques plus chargées. Ouais, ouais, j'ai l'impression que ces attaques. Ça se trouve, c'est une attaque qui charge le temps qu'il fasse son combat et quand ça se charge, il peut ouais, exploser. Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc là, il gagne. En fait, il gagne aussi. Oui, il gagne aussi. Mais attends, est-ce que c'était de la chance ou. Ah, non, c'était ouais, de c'est la de chance. La chance. C'était de la chance. Donc, voilà, quand même, en un coup, vous voilà. êtes pas abusé. Après, il y a le lanceur de pierre. Bon, le lanceur de pierre, c'est un peu pareil. Sauf qu'il va se prendre un caillou. Ouais, voilà. Ok, il peut donc, pas. Il a pas le temps, il faudra le mettre très très proche. Et encore, et encore non, 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 non. Ah, si, ah, si ouais. Ouais, il faut vraiment qu'il soit très très ouais. proche. On a le. Ah, oui, le mage. Ouais, mais du coup. Ah, là, il va falloir peut-être deux. À moins qu'il ait le temps d'avancer. Allez, le mage devient zombie. Oh, il s'est ah, fait toucher, mais c'est bon. Non, il s'est fait toucher. Ouais, mais oui, ouais, il est un peu esquive quand même. Oui, il s'est fait esquive quand même. Bah, attends, on va vérifier si tu veux. Appuie sur F. Si on ne bouge pas. Ah, non, ça tue pas. Ah, non, ça tue pas. Coucou. Par contre, il tape. Allez. Ouais, ah, j'ai converti. Bien joué. C'est énorme. Et oh, c'est, vas-y, mets d'autres unités. D'autres. Farmer. Le potion de seller. Du coup, ça fait quoi? Parce qu'il dit vert. Du coup, il dit un vert foncé. C'est un zombie fou. Bah, ah, ça avait bugué. Ça avait bugué parce qu'il était déjà vert de base. Et du coup, le changement de couleur, eh ben, ça l'a rendu rouge. Mais du coup, à la base, il est bleu. Donc il est bien devenu rouge, ça a fonctionné, sauf qu'il a pris une couleur bizarre. Ah ouais, attends, vas-y, recommence. Parce qu'il était vert en fait. Ah oui, d'accord. Là, il est un peu vert, il est pas ah, vraiment bleu. Ah oui, d'accord. Et ça se trouve, là... ça doit reset. Bah. Il trimballe. Ah bah là il l'a ah, tué. Là il l'a tué. Là il l'a tué. Ça dépend en fait. S'il tape, je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc si vous connaissez vraiment le mode, peut-être mieux que nous, faut le dire dans les commentaires. Ce qui se passera, en gros, au niveau des couleurs et tout, si c'est normal, si c'est bien le truc ou pas. Et mais qu'est-ce qu'on pourrait tester? Un contre un Zeus, contre un Minotaur, contre. Bah de toute façon, on va faire des combats très simples. Après ouais. vous proposez des combats, par voilà. exemple, un zombie tout devant, avec en face un Minotaur qui prend possession et du coup il va tuer les autres unités derrière ou. Eh non mais le barde, tu mets dans un combat, tu mets le barde, tu le transformes en zombie et du coup il se retourne contre son unité. Ah bah je pense, bah on va vérifier. Donc les bardes, ah, mais il faut que le zombie aille le toucher. Donc par exemple le barde est au loin des squires. Ouais voilà c'est ça. Bah c'est ça en fait, c'est ça que je propose aux gens. C'est vraiment nous on teste les unités pour voir comment oui, ça voilà, fonctionne. Ça. Et eux ils vont proposer des combats où on met un zombie devant en première ligne autre chose. Donc là il va se relever. Il va se relever, ouais. Ah mais du coup il fait plus de musique. Ah il tape. Il tape. Ah il tape. Il devient agressif. Il devient agressif. Ah non, c'est bon. Allez. Ils cherchent les unités. Ouais. Et ils s'en vont. Donc ils font toujours rien. Et vas-y, prends-en un et tu peux taper avec. Je suis le barde zombie. Bam, bam. Allez. Non. Putain, j'ai pas eu de chance. Attends. Allez, vite. Cours.
Non. Allez. Oh, parce qu'en fait, il faudrait convertir. En fait, ce qui serait marrant de faire, c'est faire des vagues. Tu vois, contre un zombie, faut essayer de faire les meilleures campagnes. En fait, du coup, je pense qu'on va pouvoir peut-être créer des campagnes de zombies. Les meilleures campagnes à créer pour les zombies, c'est de créer des lignes. Genre, ouais. Faut que... Et tu mets toujours un seul zombie de l'autre côté. Donc, par exemple, tu vas mettre... Par exemple, tu mets le premier truc qui va... Ah, voilà, il va avoir un square. Donc après, t'as un square et un zombie, potentiellement. Oui. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça bat? Est-ce que ça bat deux squares? Donc, potentiellement, si ça les bat, tu vas peut-être avoir un square plus trois... Non, un zombie plus trois squares. Oui. Et donc, après, tu peux mettre cinq squares, tu vois, si on reste après, sur la même unité. Et après, tu mets le chevalier. Et après, tu mets, par exemple, le roi. Non, non un chevalier. Et après, tu mets un roi. Et après, tu mets un roi. Et du coup, ça fait vraiment une map où bah, il va attaquer le premier. Si jamais il est là, ils vont attaquer les autres. Vas-y, tu vois. Ça, c'est vraiment le principe, je pense, d'une map zombie qu'il faudra créer. Allez, non, 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 tu veux pas toucher, tu veux pas toucher. Ah, c'est bon, il est pas mort. Allez, ah, il est devenu rouge. Rouge. Il va se relever. Ah, un autre rouge, un autre rouge, un autre rouge. Ah, c'est trop chaud. C'est trop rapide, c'est trop rapide. Ah, le zombie est mort. Ah, ils sont devenus verts. Non, ils ont pas eu le temps. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Donc on a mis la ligne trop vite. On peut peut-être essayer de mettre juste le chevalier. Déjà enlever une ligne pour voir, on y arrivera peut-être mieux. Faut que le zombie aille plus vite. Ah, c'est bon. Le problème c'est qu'il a plus d'épée en fait après. Non non, mais il tape quand même. Je pense qu'il garde ses stats de dégâts. Ah oui. Ah c'est bon. Non, ah non, c'est pas bon. Ah mais du coup, il convertit plus. Si 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 si, il en a converti. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit si on a de la chance. En fait, il faut avoir de la chance. Allez allez allez. Mais ils deviennent plus gros, non? Les zombies? Je sais pas. Ils changent d'armure à moitié. Oh, il y a le roi. Là, il y a le roi. Il reste un zombie. Oh oui, il a converti un dernier! La remontada des zombies! Allez, allez, allez! Ah, il est mort. Ah, par contre, ouais, il a explosé, donc ça se trouve, il a touché un peu le chevalier. Allez, le chevalier! Et le chevalier, il faut qu'il se convertisse. Oh là 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 là. Ah, ah non. C'est dommage. Je pense qu'on n'est pas assez... Mais un roi c'est trop, un roi c'est trop à la fin. Bah on peut mettre déjà le chevalier. Ouais, déjà le chevalier mais plus loin du coup. Donc on va peut-être mettre un square très très proche et le chevalier plus loin. Et mettre du coup une autre ligne entre. On va mettre le chevalier très loin alors. Très très loin et par exemple une autre ligne de square. Non, voilà, t'en mets trois. Voilà. Donc là c'est potentiellement possible. Donc voilà. Avec un seul zombie on va réussir à détruire une armée. Allez, allez, zombies, fais ton taf et essaie de pas trop te prendre. Voilà, c'est voilà. Très bien. Donc, déjà un, c'est un peu tardif, mais. Oh, oui, c'est bon, un deuxième. Et un troisième. Non. Oh, c'est bon, il est pas mort. Oh non, il est mort. Ah mince. Non, il a fait son attaque, c'est explosion. Non, c'est un autre qui est mort. Oh, il a une grosse tête, lui. Ah là 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 là. Ah, ça va être chaud. Ouais. Ah, c'est ah bon. Mais c'est lui. Aurait... Quoi? Ah, c'est lui. Ah, il est coincé. Il est coincé. Ah, oh, oui, il y en a eu un. Il y en a un qui a une grosse tête. Ouais, c'est trop bizarre. Hein. Ah, c'est dommage, faut qu'on réussisse. Faut qu'on réussisse. Mais deux zombies. Après, je peux peut-être les mettre genre plus comme ça. Ah oui. Non, un zombie, on va essayer. Faut que le zombie il ait de la chance au début, faut qu'il gère bien ses premières attaques. Ouais, j'ai peut-être mis des unités trop fortes. Hein. Peut-être que je mette des clubbers. Tu vois, il galère. Ah, parce que là, c'est pas possible. Pourquoi il galère? Oh, alors attends, je vais prendre la possession. Hein. C'est encore pire. Non, ne prends plus la position d'ennemi. Ben on va partir plus bas, on va être plus humble. On va prendre des clubbers, et peut-être des squires, et peut-être un chevalier. Voilà. Donc là, clubber, il l'a du premier coup, c'est pour ça que c'est plus facile. Un autre clubber, c'est bon. Un troisième. Ah, tu fais pas trop taper. Allez. Ah, il a quand même de la vie, hein, parce que... Ouais, mais du coup, les clubbers ont pas beaucoup de vie. Hein. Ah oui, c'est vrai. Faut qu'ils tapent du premier coup, sinon ils sont morts, en fait. Il a 8 les clubbers. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses attaques pourries là? Non, non, il y en a un qui est mort. Oh non, ça y est, c'est la fin. Il reste un clubber. Ah, il reste la remontada. Ah non. Ah si. Ah non. Donc c'est pas assez fort, tu vois, il faut imiter peut-être les paysans. Les halflings. Ah, mais ils sont pas trop petits. Bah, on va voir. Pourquoi je suis aussi loin moi quand je pône au début la caméra? Oh, clac. Ah. Un. Ah, deux. Allez, un troisième. C'est maintenant jamais. Oui. Oui. Oh non. Oh non. Mais pourquoi ça explose des fois? Je sais pas, c'est quoi cette attaque? Je pense que c'est une attaque d'un des... En fait, il y a des zombies, ça se trouve, qui sont piégés. T'as une chance sur tant de temps, sur tant que ça devienne un zombie qui explose. Allez. Tu vois, des fois, c'est plus ou moins long. Et là, je pense que c'est parce qu'il est mort. Là, c'est lui qui est mort, et du coup, il...
Ah, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas les gens. Faut qu'on réussisse à... Peut-être des hobbits, après des squeers. Faudrait... Des clubbers. Allez, 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 allez. Non, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Non, il n'y arrive pas. En fait, les hobbits le portent. Donc peut-être un hobbit. Ou alors un clubber, c'est très facile. Un clubber. Le premier, c'est un clubber. Après, on peut mettre peut-être un hobbit. Non, 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 mais un farmer, un farmer. Un farmer. Mais deux farmers. Mais c'est pas trop rapproché. Non, comme ça. Donc là, le clubber. Comme ça, au moins, le zombie n'est pas seul. Ça lui permet d'avoir une unité qui l'aide. Esquive, 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 esquive. Allez, clubber, allez, clubber. Oui. Oui, bien joué, clubber. Ah, ils vont vers les squeers. Ah, ils sont ambitieux. Ah, je crois qu'il est mort. Ah, ouais, non, non. C'est dommage, squeers, ça commençait trop. Pas mal. Les squeers, c'est trop. Les squeers, c'est trop. Il faudra après, peut-être tu mets un... médiéval, il y a quoi en médiéval? En médiéval. Ah oui. Un soigneur? Qui soigne le zombie? Qui soigne tout le temps le zombie? Bah non, mais qui va du coup, il va le récupérer, tu vois. Ils vont dive dessus. Ah, il fait demi-tour, il va soigner les... Bah oui. Non, faut un qui soigne le zombie. Tu vois, là, ça, je trouve, c'est un bon début. Déjà, t'as une petite armée, tu vois. Ça sera pas assez, mais on sait jamais. Voilà, du coup, c'est mort, ce qui va soigner l'autre. Réfléchissons. Ah, bah, un Sarissa. Ah, un Sarissa, ouais. Peut-être un Sarissa, genre un plus fort ici. Un seul, et après, on tente avec ça. Là, ça s'est bien passé, tu vois. Contre le chevalier, ça va être chaud. Hein. Un. Allez, oh, bah, bien joué, bien joué. Allez, allez. Mais non, mais il tape quand même. Allez, allez, allez. Mais. Ouais, c'est voilà. Bon, c'est bon. Deux. Allez, allez. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il ne manque plus que le Sarissa et on sera à 5 contre 1. Ah non, ah, il a tué. Il a tué le vrai zombie. Le zombie est mort. Par contre, le Sarissa est converti. Hein. Est converti, mais il a plus sa lance en fait, je viens d'y penser. Il va taper. Les zombies auront-ils le cheval? Ah oui, mais peut-être avec ça. Quoi? Ouais, mais il y a eu une explosion donc. Oui, justement avec l'explosion. Allez, tape, 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 tape. Allez, 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 allez. Oui, c'est maintenant. Non, le chevalier est trop fort. Le chevalier est trop fort. Le chevalier est trop fort. Le début est pas mal. Le début est pas mal, mais le chevalier est trop fort. Il faudra mettre un hoplite. Hein. Ou un viking. Non, c'est l'hoplite, il va tuer toutes nos unités, en fait. En fait, soit tu mets ça, soit tu mets genre ça. Tu vois, genre un truc en masse. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Allez. Faut qu'on y arrive, les gens, à avoir un chevalier avec un seul zombie. Bayou le chevalier. Ah, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? Oui, c'est vrai. Ah, mais il y a les explosions qui font de temps en temps en fait. Ah, ouais, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Bon, on va tester notre unité. Hein, parce que sinon, bah, on va jamais y arriver, ouais. Donc c'est très difficile. Bah, de toute façon, tiens, on va regarder combien de zombies il faut pour avoir un chevalier. Parce qu'il un a... chevalier. Parce qu'il a pas de. Donc mets 3 zombies. C'est équivalent. On est plus cher en zombies. On est un peu plus cher, mais le problème, que c'est qu'on passe. Aurait été moins cher avec un de moins. Est-ce que c'est facile à avoir ou pas? Il arrive à le coller pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ah, du coup, il a du mal à... Ah non, il a explosé. Vache. Donc non, ouais. L'unité zombie est pas si forte que ça, mais c'est normal. Hein. Oui, bah oui. Bon, on va tester un truc. On va tester. On va voir plus ambitieux. Combien de zombies pour un roi? On c'est va très ambitieux, là. On va jamais y arriver, mais est-ce qu'on peut posséder zombie, un zombie. Roi zombie? Vas-y, mets-en plein et on enlèvera. Voilà. Non, mais mets-en moins, t'aurais dû mettre en moins. Ah si, parce que le roi, allez hop, un de moins, un de moins. Ah, il porte. C'est énorme. Bah, c'est le principe des zombies. Je suis le roi. Est-ce qu'ils vont y arriver au moins? Sauf ils vont même pas y arriver. Le roi zombie, le roi zombie, le roi zombie. Allez, le roi zombie. Le roi zombie. Mais, oh la vache, ah, ils explosent après. Pourquoi ils explosent? Bah, c'est parce que c'est les zombies, ils explosent. Ouais, ouais. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, ouais. Le roi zombie. Il n'arrivera jamais. Mais pourtant, on a réussi le mammouth. Hein. Mais... Ouais, mais le mammouth, il. Ouais, mais ils n'ont pas explosé pour le mammouth. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être le fait de se prendre des coups. Ouais, ou de... c'est peut-être possible, ouais. De charger des coups. Vas-y, mets encore plus de zombies. Il faut qu'on transforme le roi. C'est l'objectif de cette 20 vidéos, c'est transformer le roi. On va jamais y arriver. Le roi zombie, les gens. C'est maintenant. Allez, allez, allez. Allez, soulevez-le, soulevez-le. Oh la vache. Mais ils sont piégés les zombies aussi, il y a des zombies bombes. Il y a des zombies.
Est-ce qu'il a beaucoup de vie? Attends, je regarde, parce que là, c'est mort. Oh la vache, il est à la moitié, quoi. Ah, et puis il meurt tout seul. Hein. Ouais. Mais non, je suis bête. C'est la durée de vie du zombie. Il a une durée de vie, normalement, le zombie. Bah oui, mais t'as bien vu qu'il y en a qui... Attends, on va prendre un zombie tout seul. Allez-y! Tu vois ce que j'explose ou non? On va voir. Non, j'explose pas. Bah oui. C'est pas grave, c'est le truc du milieu, il faut qu'il charge. Ah oui, hein, regarde, il charge au milieu. Ah oui, d'accord. C'est ma durée de vie quand je tape. En fait, je pense que quand j'ai fini de taper, eh ben j'explose. Vas-y, vas-y, essaye. Tu vois, zéro space. Ah, c'est ça. C'est ça, et j'explose. En fait, plus tu tapes, plus tu crées ça. Et en fait, il crée ça direct. Ah oui, du coup, il tape super longtemps. En fait, faut beaucoup de zombies pour qu'il meure. Ah non, pas beaucoup de zombies. Bah non, justement, en fait. Bah, on va faire une astuce. On va mettre des archers. Ah, mais les archers vont perdre. Ah, bah non, je suis bête, c'est pas des archers là. Bah, si, des archers, justement, pour lui perdre la vie du roi. Pour qu'il ait un peu moins de vie, parce que sinon on va jamais y arriver. Est-ce qu'on va arriver à avoir un roi zombie, s'il vous plaît? Le problème, c'est qu'il y en a un qui va faire l'explosion, d'autres, et en fait, ils se tapent, ils se tuent entre eux. Allez, un roi zombie, s'il vous plaît. Zombie. On a réussi à faire un mammouth zombie. Ah, ah, le roi zombie. Le roi zombie. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. C'est joli, hein. C'est pas mal. Et du coup, d'avoir du vert, c'est stylé, ouais. Parce que c'est quand même le roi zombie, quoi. Bon. Bah ouais. Je pense que on va galérer à faire Je pense que le défi de la prochaine vidéo, ça va être faire un zombie. Un zombie géant. Zombie glace. Géant. Après, on testera peut-être. Est-ce qu'on peut faire un zombie géant des arbres déjà? Toi, t'as envie de savoir. Ouais. Bah, le problème, c'est que le géant des arbres, avec la masse de zombies en face. Ah oui, ça va, il va tous les envoyer. Faudrait céder de certains trucs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qui est faisable? Un cheerleader déjà. Est-ce qu'il y a un cheerleader? Zeus zombie. Hein. Zeus zombie. Ouais, allez, vas-y. Allez, pour finir, Zeus zombie. Zeus zombie, est-ce que c'est possible? Combien il faut de zombies? Est-ce qu'il en faut beaucoup? Parce que Zeus a quand même moins de vie, le roi a beaucoup de vie. Ouais, sauf que le problème de Zeus, c'est qu'il va taper tout le monde en même temps. Peut-être pas tout de suite, parce qu'ils sont pas en ligne en face de lui, ils sont sur les côtés. Et ils sont pas morts. Ils meurent en un coup. Allez-y. Au moins que vous arrivez à faire quelque chose là. Ah oh, ouais, en fait, le problème c'est qu'ils explosent. C'est énorme, mais c'est abusé. Parce que du coup, ils tuent tes propres unités. Vous m'aurez pas mon éclair. Donc plus facile de faire un Zeus zombie qu'un roi. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, donc on va vérifier. Le Zeus zombie perd son. Perd quoi? Perd son éclair. Donc il tape. On va vérifier. Ah bah oui. Il tape ou. Bah il a moins de vie. Comment il fait? Allez. Allez. Ah, c'est bon, il s'est transformé, okay, il tombe, okay. Et il va se relever tel un dieu zombie. Il se relève. Et il a plus d'éclair. Donc il fait quoi? Bah, il tape. Il va exploser. Est-ce qu'il explose aussi? Ah, il tape. Yes, exact. Et voilà, c'est la fin des unités. Donc Zeus tape. Donc en fait, les unités qui ont des choses spécifiques, donc un peu comme Artemis. Oui. Du coup, Artemis, je pense qu'elle tape. Ouais, mais Artemis, bah, il faut que tu la contrôles pour... Non, je vais la mettre là. Même là, je suis sûr, elle va y arriver à tuer tout le monde. Non, elle a pas beaucoup dit. Mais du coup, t'aurais dû garder tes unités derrière. Mais je vais voir si c'est possible. Hey, elle fait un... Elle fait un slam. Ouais, public. Aimez-moi, ouais. Je suis la déesse de la chasse. Remerciez-moi et vous serez... Non mais elle tire vraiment vers le bas. C'est pas un peu abusé? Ah, c'est bon. Changement de robe. Ouais, du coup faut peut-être mettre des unités. Oui, de Guy. Bah oui. Qu'est-ce qu'on... Bah on va remettre les boucliers. C'était pas très très fort. Dans les armes. Un mort. Oh, y'en a un, il s'est fait plus vite de dire. Allez, encore un petit slam. Oh non. Vous l'aviez pas fait les gars là. C'est pour ça que je voulais venir ici avant. Mais c'est pas vrai. Arrêtez d'exploser vos coéquipiers, s'il vous plaît. Bande de zombies, va. C'est bon, c'est parce que Maître Yin, ça fait une musique sur vous qu'il faut s'enjailler. Hein. Je suis blasé des zombies. Non, ils sont bien. Franchement, ils sont vraiment très cool.
Allez, 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 on veut voir Artemis taper à la main. Artemis, 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 Artemis. Allez, slam, slam. Hé, 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 hé. Elle est trop forte. Allez, Artemis. Mais attends, mais ils vont l'avoir ou vont pas l'avoir? Non, mais sérieux, ils sont en train de la porter, quoi. Ils sont en train de la porter. Mais ils ont tué toutes les autres unités. Mais... Ah, elle est dead. Elle était dead. Ah, ils l'ont carrément tué. Non. 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 Je veux pas lâcher mon bouclier. Je resterai là, coûte que coûte. Quoi? Et on va. Et on va. Attends. Et pourquoi? T'es Kiblo dans l'arbre. T'es Kiblo dans l'arbre. Tu pourras plus bouger. Laissez-moi sortir. Et ils font quoi? Ils me testent, c'est ça? Ils me font peur, ils font exprès? Attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, je peux arrêter le jeu. Mon dieu, j'ai trouvé, j'arrête le jeu. J'ai. Comme Guillaume. Bonjour. Bonjour. Je viens derrière toi. Coucou. C'est le coup de la mort. Et il lâche son bouclier, du coup. Ah, coucou. Bon, non. Du coup, on va s'arrêter là. Franchement, les gens, on est très contents d'avoir pu réussir à regarder, ouais. Parce qu'il faut savoir que les fichiers sont pas faciles à trouver. C'est ça. Non, mais en tout cas, faut nous dire. Ça craint toujours un peu. Bon, alors, il y a des mods qui sont officiels que vous trouvez sur Steam directement sur le site. Donc, Steam qui héberge le jeu. Donc, ça, c'est facile, c'est officiel. Sauf que là, en fait, j'ai vu une vidéo de mods américaine qui a fait beaucoup de vues. Et Landfall, donc les éditeurs du jeu, ont répondu. Et ça va être mis en place. Le fait de pouvoir faire des mods, qu'ils veulent que, communauté, que leur communauté crée des mods facilement. D'accord. Donc, ça va être mis en place. Pour l'instant, c'est un peu. C'est pas illégal. Hein. C'est juste que voilà, il faut trouver. C'est en mode, on installe nous-mêmes. Voilà. Mais c'est très cool. Et donc, juste pour faire un petit avant-goût pour vous donner envie, parce que je vais quand même mettre l'unité la plus forte. Le Time Wizard. On va juste le regarder. Et c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, comment je pourrais faire? Bah, mais des prêtres de l'autre côté. Ah, mais il va taper. Bah, mais des. Je mets un clubber et on critera. Tu penses à quitter, hein? On va juste le regarder. C'est juste pour le voir de près, voir comment il est beau. Et regarder les gens. C'est le Witch Time. Et regardez, son bâton, il est trop cool quand même. Non, Wizard Time, pardon. Wizard Time. Ouais, il est quand même très stylé, hein? Ouais. Tabs, vous n'en saurez pas plus, mais nous non plus, parce qu'on sait même pas ce qu'il fait quand il attaque, donc faut pas hésiter à proposer des combats. Pour la, prochaine fois, on les testera normalement si ça vous dit. Voilà. Et on testera encore les zombies. En tout cas, c'était très cool. Moi, j'aime beaucoup parce que Lydie est très très bonne, ouais. Et ça fonctionne très bien en plus. C'est donc ça. On espère que ça sera incorporé au jeu, peut-être, qu'ils vont se baser sur cette idée de fans pour le créer dans le jeu. Et on vous dit à une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!